Monsieur Jensen, dire que c'est vous qui venez nous sauver de tous ces monstres, quelle ironie! Des monstres, Taggart? Vous voulez dire des hommes? Des hommes augmentés, devenus fous, qui ne se contrôlent plus? Vous me l'ôtez de la bouche. Malheureusement, il semble que votre estimé monsieur Darrow ait décidé de faire la preuve de ce que j'avançais à mes dépens. Dans la folie et dans le sang, il nous a tous trahis. Enfin, le masque est tombé. Vous êtes impliqué dans tout ça. Et vous l'êtes depuis le début. Il serait futile de nier quoi que ce soit à présent. Et malgré ce que vous croyez, nous n'avons jamais voulu faire interdire les augmentations. Nous voulions une réglementation. Des règles pour encadrer les recherches sur cette technologie. Et des lois pour garantir qu'elles seraient utilisées pour le bien de la société. Vous faites passer la société avant l'humanité. Et qui fait les lois? Des hommes sages, incorruptibles et persévérants qui savent ce qui est juste. Des chefs émérites qui se sont distingués comme vous, monsieur Jensen. Vous avez certainement gagné le droit de devenir l'un des nôtres. Vous n'avez qu'à dire oui. La gloire ne m'intéresse pas, Taggart. N'oubliez pas que sans contrôle, il n'existe pas de liberté, seulement de l'anarchie. Vous avez servi dans la police autrefois. Vous connaissez l'importance de l'ordre. Je sais aussi qu'il y a une différence entre l'ordre et l'asservissement. La biopuce n'était pas censée forcer les gens à faire quoi que ce soit. Elle devait juste limiter leur pouvoir, afin qu'il ne puisse pas y avoir de massacre comme celui auquel nous assistons. Et c'est un succès sur toute la ligne. Dites ce que vous voulez, mais je sais qu'une partie de vous m'approuve. La liberté absolue est identique au chaos absolu. Si elle veut survivre, la société a besoin de garde-fous. Et vous, monsieur Jensen, vous pouvez être l'un des porteurs de cet espoir. Coupez le signal de Darrow. Puis aidez-moi à faire passer un message expliquant qu'un incident chez VersaLife a contaminé toute la neuroposine du monde. VersaLife? Et si je choisissais d'incriminer les Illuminati? Les Illuminati ne sont qu'un nom pour attirer les dons des riches financiers. Et puis, pensez-vous que le monde croira à une conspiration tout droit sortie du 18e siècle? Faites ce que je vous demande et vous assurerez un avenir à l'humanité. À toute l'humanité, augmentée ou pas. L'avenir que prépare Hugh Darrow en exclut de fait une partie. Laissez-moi y réfléchir. Laissez-moi tranquille! Tranquille! Allez-vous-en!
Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Il y a des survivants ici. Nous nous sommes enfermés dans un atelier. Allez! Aidez-nous! Laissez-moi tranquille! Tranquille! Sortez de ma tête, Madame, Dieu merci, vous êtes là. Il y a des blessés par ici. Nous devrons les évacuer en premier. On peut pas évacuer pour le moment. Pas tant que j'ai pas atteint la base de la station et coupé le signal de Darrow. Quoi ? Mais pourquoi ? Ce qui s'est passé ici, c'est pareil à l'extérieur. Les Illuminati ont créé une biopuce pour désactiver les amplificateurs des augmentés. Et Darrow l'a modifié pour les plonger dans une folie meurtrière. Oh mon Dieu, Yud. Il faut arrêter ça, Adam. Si les gens l'apprennent... S'ils croient que les augmentations sont à l'origine de ce massacre, ils interdiront les recherches sur l'amplification humaine à jamais. Et ce serait vraiment un mal. Oui, bien sûr! Vous ne voyez pas les enjeux. Depuis que l'homme a rampé hors des océans, il a essayé de s'élever au-dessus de sa condition. La technologie amplificatrice n'est que la dernière étape d'une longue route, et nous n'avons qu'effleuré la surface de tout son potentiel. Nous ne devons pas laisser la peur nous arrêter. C'est votre avis, Sarif. Et tout le monde ne le partage pas. Mais vous aussi, Adam. Je le sais. Et en travaillant ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Améliorer la vie de tous. Mais il faut d'abord arrêter ça. Et après ? Nous enverrons un message. Après que vous aurez coupé le signal de Yug. Pour dire au monde que c'est le Front pour l'Humanité qui est responsable. Que leurs docteurs ont créé un virus qui n'affecte que les personnes augmentées. Vous voulez donc mentir ? Pour gagner du temps, Adam. Du temps pour trouver comment détruire la biopuce des Illuminati et avancer. Qu'est-ce que vous faites des gens qui ont souffert? Vous ne croyez pas qu'ils méritent la vérité? Oh, Adam. Pour conquérir une plus grande liberté, nous ne pouvons pas nous laisser aveugler par une morale étroite. Certains seront laissés sur le bas-côté. C'est la réalité. C'est ça, l'évolution, Adam. C'est ça. L'évolution fondée sur mon ADN. Je vous en prie, Adam, fiez-vous à moi. Je vais y réfléchir.
finir. J'ai un travail. C'est pas vrai. Allez, concentre-toi. Oui, je sais. C'est toi.